Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 6 de la série Hardcore. Oui, on se retrouve après quelques déboires, comme vous avez pu le constater. Et d'ailleurs, je vous remercie déjà pour toutes vos réponses. J'en attendais pas autant. Donc merci beaucoup. Alors, ce bloc-là a été posé spécialement pour faire des tests et pour que je me prouve à moi-même que la sauvegarde se fait bien. Je ne sais toujours pas pourquoi il y a eu ce problème la dernière fois. En espérant que ça va pas me le refaire à nouveau. Ça me ferait vraiment mal au fût, hein. Ça serait vraiment trop mal au cube. Voilà, ça m'embêterait vraiment. Alors, si on sort de tout ce qui était dit dans les commentaires, en gros, on me dit tu te mets en give machin et tu refais ta maison et tu continues comme s'il y avait rien. Mais ah si, on peut. Ah, je croyais qu'on pouvait pas. Alors attends, est-ce qu'on peut mettre en game mode? On va tester ça. Non, ça marche pas. Cool note parsing pad. Ouais, ok, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bref. Tout ce que je sais, c'est que on ne peut pas sur la solo là, il n'y a pas encore le moyen, enfin je crois pas. Si en fait, que je tape slash give ou je sais pas quoi, ouais, mais alors je suis pas du tout partisan du slash give. Oui, j'ai subi un déboire non voulu, mais bon, tant pis. Au contraire, ça me donne une autre idée, c'est de continuer. Enfin, une autre idée, c'est surtout par rapport à ce que vous m'avez dit. Personne m'a dit refais une autre carte, personne m'a dit arrête-toi, donc je continue, ça me fait plaisir. Et par contre, je vais pas me refaire la même maison. Non, on va faire autre chose. Je vais plutôt m'orienter vers ce que je préfère, c'est-à-dire une maison troglodyte. C'est-à-dire, je vais me mettre là-bas, dans la montagne, à l'intérieur de la montagne. Alors, j'ai pas trop été voir, je sais pas trop ce que ça donne. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais partir de cette route, puisque j'étais parti de cette route précédemment. Et je vais tirer de quoi habiter l'autre côté. Alors, pour l'instant, ça va être un peu vulgairement dans le vide. D'ailleurs, j'ai mis un tout petit peu de cobble. Stone. Je vais miner un tout petit peu de cobble pour pouvoir arriver de l'autre côté. Alors, on va peut-être trouver un endroit où il y a de la cobble quelque part. C'est moi qui ai fait ça. Ah, et je crois que je m'étais même posé la question dans l'autre épisode déjà. Allez, on va aller prendre un petit peu de cobble. Je sais pas bien où. En essayant de pas se faire buter parce que comme il y a la pluie, donc forcément, il y a les monstres qui doivent être un peu partout. Je vais essayer de retourner là-bas dans la grotte. Ouais. Je sais pas ce que c'est que cet accès-là. Je crois pas l'avoir vu auparavant. Alors, on va pas prendre grand chose. Mais c'est une autre entrée, ça, en fait. Non ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Il y a de la cobble. Ah oui. C'est les fondations de la maison qui est au-dessus, je pense. Ça me dit rien, cette grotte. Ou alors, j'ai déjà plus souvenir par où je suis passé. Ouais, c'est les fondations de la maison. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qu'il me faut, c'est un peu de cobble. Juste pour finir le pont, pas beaucoup. Voilà. Donc, le but, c'est de faire un pont, de me retrouver de l'autre côté. Et de commencer à faire une petite maison. Voilà, je pense que là, ça va suffire. 43, ça suffira. 44 même. Et on va retourner là-bas. Oui, donc je disais merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça me fait plaisir de voir que des gens suivent et que des gens veulent que je continue. Ça y est, je suis déjà paumé, c'est pas où. C'est pas là. Du coup j'ai plus de... Ouais bah oui, j'ai perdu tout ce qu'il y avait dans les coffres, mais tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu, on fait avec. Par contre, c'est bien la première fois que j'ai eu ce genre de bug, je sais pas si vous avez déjà eu ce type de bug là, moi en tout cas c'est la première fois. Je pensais même pas que c'était possible, parce qu'il me semble que Minecraft enregistre en temps réel... Enfin, je pensais qu'il enregistrait en temps réel la map. Je sais que lorsqu'on fait escape, on a le droit à un petit save de la map ou je sais pas quoi. Mais je pensais quand même qu'il faisait des sauvegardes de temps en temps. Surtout que les 6... Ah bah si, ouais, si. J'ai tourné les 5 épisodes d'un coup. Donc forcément, j'ai pas mis sur pause, j'ai pas mis échappe, rien du tout. Entre temps. Donc forcément, il a dû ne jamais sauvegarder la map. Et puis, je me souviens pas, mais peut-être que ça a planté à la fin, je sais pas. Bon, j'arrive là, je pensais arriver un petit peu plus haut, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas grave. Donc pour l'instant, je fais qu'un truc en cobble hein, qui va me permettre de voyager entre les deux. Mais je vais m'installer ici dans le coin, ça va changer. Alors le truc qui m'embête fortement, c'est que pour enlever la pluie, il me faut... Oui, j'ai plus de fer non plus, oh là là, c'est dommage hein. Pour enlever la pluie, il me faut un lit, et pour avoir un lit, il me faut du fer, ce que je n'ai pas, parce que un fer pour prendre de la laine sur les moutons, pour éviter de gâcher du mouton. Ouais, on va devoir gâcher du mouton. Il y en a déjà deux là, si seulement il pouvait y avoir un troisième dans le coin, ça m'arrangerait pas mal.
Parce que, ouais, il y en a un en haut, parfait. Parce que, oui, ce que je disais, je m'embrouille. En solo, pour arrêter la pluie, il faut dormir. Sinon, elle peut continuer des jours et des jours et des jours. Elle finit bien par s'arrêter, mais c'est pas très joli au niveau de l'ambiance de jeu, tout gris là. Et puis, je pense que, comme moi, vous aimez pas trop quand IRL il pleut. Donc, si on peut au moins l'éviter dans un jeu, on l'évite. Donc voilà, j'ai mes 3 de laine. J'ai pas assez de bois, oui, bah oui, j'ai perdu tout le bois que j'ai mis de côté. Peut-être manger un truc aussi. Hein. Ok, c'est pas assez. Voilà, on va récupérer un peu de bois en espérant choper une ou deux pouces. Ouais, parce que du coup, tout ce que j'ai fait en fait a été annulé. C'est comme si la carte était vierge. Mais j'ai juste gardé l'inventaire que j'avais sur moi. J'ai donc perdu ce que j'ai dans les coffres. Bon, bah voilà. Enfin, pardon. Allez. Oh non, non, quel con! Fausse manipulation. Voilà. Alors, ce serait con que je meure à partir du numéro 6. Hein. L'épisode où je recommence. Alors là, ce serait vraiment très bad. Hein. Mais bon. En même temps, je suis capable. Hein. Bon, ah oh, mince, il va faire jour. Donc, je pourrais pas dormir cette nuit. Ça, c'est un peu dommage. Hein. Oh, ah non, non, c'est l'inverse. Il va faire nuit. Il va faire nuit, justement. Donc, je vais peut-être pouvoir le faire. Surtout que j'ai encore une table de craft sur moi. Quel bonheur. Ouais, il y a moyen de faire un beau petit truc, là. Raser le petit bout de montagne, une petite entrée, là, comme ça. Bon, j'ai pas trop été voir ce qu'il y avait derrière. En plus, là, il y a une grotte. J'espère que là, c'est assez plat. Ouais, ça a l'air. Mais alors, on va déjà poser ça. Donc ne me dites pas dans les commentaires qu'il y a le lit dans la maison, parce que non, il n'y a plus rien. Parce que le lit, j'avais enlevé. Dans la maison PNJ, je veux dire. Alors, allez, on va se mettre là, en espérant qu'il ne va pas me dire qu'il y a des mobs autour de moi. Et que je me fasse pas buter pendant mon sommeil. Non, parfait. Oh, mon lit. Où est-ce qu'il est? Ouh, j'ai déjà eu peur. Ah ouais, bah maintenant, je vais avoir peur à chaque fois. Voilà. Et comme vous avez constaté, quand on dort et qu'il pleut, au petit matin, la pluie s'arrête. Je ne sais pas pourquoi non plus, mais c'est bien pratique. Hein. Moyen naturel d'enlever la pluie. Voilà. Donc du coup, j'aurais peut-être dû quand même laisser la table de craft, parce qu'on va se faire un peu de matériel. J'aurais dû attendre pour avoir des pousses, parce que du coup, j'ai pas beaucoup de bois. Ok, alors, ouais, on fera cette surface là toute plate. Pour l'instant, je vais poser de quoi gratter un peu. On va se faire deux pelles parce que je sens qu'elles vont pas durer longtemps. Les voilà. Et ouais, on va se bricoler un truc dans le sens là. Bam. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, j'ai fait un truc un petit peu carré sur le début, mais ça sera modifié par la suite, histoire que je perde pas trop de temps pour me faire au moins une cabane pour la nuit. Et puis, j'ai même pas été voir la vue que j'ai là-haut, pour essayer de la ressource, qu'est-ce qu'il y a derrière, je sais même pas en fait. Je sais même pas s'il y a un lien entre les deux. Bon, ça, je pourrais combler. Voilà. Voyons un peu ce qui se passe par ici. Ah, on pourrait se faire une belle terrasse là si je faisais un truc assez grand. Ou peut-être même un point de vue ou je sais pas. Parce que alors, suivez bien mon curseur du milieu. Je compte me faire une petite maison là en dessous, là-dedans. Dans le truc là quoi. Donc on verra bien si. Oh, c'est joli comme tout. On voit pas très loin malheureusement. Le shader ça donne un aspect brouillard comme ça. Bon voilà. En tout cas, c'est joli. Il y a moyen de faire quelque chose. Ah, j'ai pas lancé de chrono. Mince, combien de temps ça fait? 10 minutes? On va mettre 10 minutes encore, c'est pas grave, ça fera, au pire ça fera un épisode un peu plus court. Pour la reprise, c'est pas plus mal. Voilà, puisque de toute façon c'est que de l'adaptation de terrain pour l'instant, donc ça va pas être très très drôle. Au pire, s'il me faut beaucoup de ressources, j'accélérerai les scènes. Ça sert à rien, comme quelqu'un l'a dit, quand j'ai pris le bois, j'aurais pu l'accélérer, c'est vrai. Mais comme je discute avec vous en même temps, voilà, si hop, ça peut passer. Alors, le sol arrive là, ok. On va en même temps combler le sol. Voilà.
Donc ne me demandez pas quel pack de textures ou qu'est-ce qui fait l'effet, machin, tout est précisé dans la première vidéo, retournez-y, y allez voir les infos directement dans la première vidéo. Voilà, ça me paraît bien pour une entrée, en plus ça me fait une entrée double porte, ça sera symétrique, tout ce que j'aime. Voilà, et boum. Bon, alors, je pense que je risque de tomber sur le genre de creux derrière. Oh, il est beaucoup plus loin, il y a peut-être des chances que ça passe. Voilà. Et puis, on va commencer à creuser un peu. Bon, alors, je vais vite être embêté du fait que j'ai que de la stone. Pioche. Il va falloir que j'aille reprendre du fer, du coup. Au même endroit, mais je me souviens déjà plus où. J'ai une petite mémoire. Voilà, alors déjà on peut se faire ça, on peut rentrer le bordel à l'intérieur avec le poser le lit tout, histoire de se faire un truc vraiment sommaire. Vraiment, vraiment très sommaire, mais bon. Alors, on va laisser deux d'épaisseur, non, un d'épaisseur, ça suffira. Ok, deux comme ça, ça passe. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Pour cette profondeur-là, ça suffira pour l'instant. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Ok. Et bien évident que pour l'instant, je laisse les murs comme ça. C'est bien plus tard que je les changerai. La table de craft, le lit, une petite torche là et là. Si j'ai du bol, ok, je fais n'importe quoi. Voilà, si j'ai du bol, je peux même me faire une petite fenêtre là. Là aussi, voilà, c'est mignon comme tout. Voilà, et qu'est-ce que je cherche? Oui, je cherche à faire des portes. Portes que je vais devoir très rapidement renforcer quand je travaille la nuit, puisque en hardcore mode, les zombies défoncent les portes la nuit. Ok, n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Voilà. On va essayer de pas faire n'importe cette fois-ci. Et voilà. Et comment renforcer cette porte? Je mettrai deux pistons ici qui montent en fait. Qui montent avec un bouton ici. Je verrai ça pour l'instant. Voilà, ça restera comme ça. C'est très restreint, mais voilà. Ok, donc il me faut du fer maintenant. Un peu quand même. J'ai une armure. Non, j'ai pas d'armure en plus. Oh là 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 là, quel bouseux je suis. Pourtant, j'avais souvenir d'avoir au moins un petit bout d'armure. Mais bon. On va retourner dans le truc là-bas. Ah oui, et j'ai de la bouffe aussi. Qu'est-ce que j'en ai besoin là ou pas? Non, j'ai encore 15 steaks, ça va aller. J'ai de la bouffe un peu partout d'ailleurs. Ouais, donc on voit bien toutes les modifs que j'avais faites. Il y a vraiment plus rien, je comprends pas. Ça m'interroge vraiment parce que je comprends pas. Voilà. J'aime pas quand je comprends pas. Voilà, on va descendre, chercher... Non, c'était pas là que j'avais vu le faire. Hein. Bon, c'est pas grave. On va déjà prendre ça. Ça me servira. Parce que ouais, j'ai plus grand chose. Ah, si, j'avais un stack quand même. Mais c'est pas grave. On va faire attention quand même quand on rentre là-dedans. Je sais qu'il y a du fer et. Ah, bah oui, il y en a là. Salut, copine. C'est pas moi que tu veux taper quand même. Non, tu ferais pas ça. Je me souviens plus si ça va loin ou pas. Ah, oui, ça ressort de l'autre côté. Oh bah c'est la mine où j'étais avant, d'accord. Ok, encore un qui comprend rien. Voilà, peu de charbon, toujours ça de prix. Oh, j'espère que j'ai une pioche de rechange. Non, bien sûr que non. Mais bon, alors je vais me concentrer d'abord sur le fer. Et charbon par la suite. Eh ben, je vais pas aller loin avec ça, hein. Je vais pas du tout aller loin. Deux de fer, je peux même pas faire une pioche.
Il faut au moins qu'il puisse faire une pioche au cas où je rencontre des métaux précieux. Même si je suis pas prêt d'en rencontrer pour l'instant. Enfin, quoique, souvenir, il y avait une crevasse dans la flotte hein, où j'ai failli rencontrer notre ami Creeper. Je sais plus trop où c'était. On va faire attention. Ah, mais il y a encore des choses là. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai, même que ça va pas très loin. Donc, on va mettre une torche pour sceller le terrain. Du fer, j'ai cru. Alors, vous m'avez dit par dizaine, enfin peut-être pas par dizaine non plus, au plafond il y a du fer, mais alors je sais pas où. Au plafond, c'est celui que j'ai enlevé là, non. Au plafond. Pourquoi j'avais loupé du fer, c'est peut-être un autre endroit où j'étais, je sais pas. Ah bah oui, là ça redescend, ok. Donc je vais peut-être me faire un peu de fer ici. Ah ouais, d'accord. Oh. Bug de souris, ça c'est pas bon, surtout si les ennemis arrivent. Voilà, mauvaise touche. Voilà, je vais y arriver. Non, voilà. Alors. Copain, viens ici. Pourquoi il tourne en rond, lui? Il a un souci. C'est un zombie déviant. Ah oui, d'accord. Donc, on va regarder au plafond, puisqu'on me l'a répété et répété. Des fois que. Non, c'est pas ici. Underman. Alors, je suis déjà venu là-dedans dans les épisodes précédents, mais bah, comme tout est redevenu à la normale, on va dire que pour la peine, j'ai le droit à une deuxième fois des minerais, que c'est un petit peu la récompense de, enfin pas récompense, mais on va dire que pour la peine d'avoir tout perdu, la moindre des choses, c'est que je puisse récupérer une deuxième fois les minerais. Bon, ça fait un peu du temps perdu pour vous qui me regardez. Mais voilà, on passe du temps ensemble, on se marre bien, c'est cool. Voilà. Eh ben, je me souviens plus de toute cette grotte, hein. C'est fou, hein, quand même. Hein. Est-ce que j'y ai été ou pas Parce que je vous avoue que j'ai été. Oh là, pas copain, lui et moi. J'ai été tellement dégoûté d'avoir perdu la carte et que. D'abord, je me suis dit, je vais arrêter. Je vais arrêter la hardcore, tant pis. Oulo, amigo, si tu veux tenir à ta vie, il faut que tu partes d'ici. Allez, boum boum boum. Eh, hey, mais c'est que tu me mets des claquettes en plus. Mais t'es fou, toi. Et c'est que je suis presque mort en plus. Oh là là là. Allez, on se taille. On reviendra. Ouh, on prend le fer. Je suis au ras de la mort là, quand même. Il faut vraiment que je me fasse des tenues parce que. Bon, si lui vient me taper, c'est foutu. Le suspense est à son comble. Moi perso j'ai la tension, hein. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai la pression là. Et en plus il va faire dodo. Ça va être tout noir. Le prochain qui me répond, qui me dit la remarque qui suit celle-là dans les commentaires, je le banne, fini. Hop, fini, il regarde plus la série. C'était une blague bien sûr, c'est parce que c'est tiré d'un film. Bon, faut combler un peu. Allez vite, 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 vite. Voilà, regarde, il y a déjà des zombies générés en bas. C'est incroyable, ça. Bon, alors, ce que l'on va faire... On va faire le petit saligo. On va tout simplement faire ça et ça. Comme ça, la porte, ils peuvent s'accrocher pour l'avoir. Alors, autant profiter... Non, tant peut-être pas profiter de la nuit, parce que quand il fait nuit, les mobs arrivent en masse. J'en aurai déjà assez dans les grottes que pour en plus en trouver la sortie de la maison. Je vais en profiter pour me refaire une pioche. Voilà. Bah, tu sais quoi, je vais même en faire deux. Voilà, ça sera fait. Ok. Voilà. Et oui, bah forcément. J'allais dire, c'est toi qui me bloque. Mais forcément. Et on peut retourner là-bas. Ou je peux carrément aller jeter un œil à celle qui est ici, qui est beaucoup plus près. Ah, le petit son qui nous dit que on va se quitter ici. Ah bah, c'est très bien. Je me mets là, bien en sécurité. Voilà. Toi, tu te tais. Et je vous dis au prochain épisode. N'hésitez pas à mettre des pouces verts, à nous recommander. Et puis à plus, bye bye.